Un homme qu'on a trouvé dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il faisait là? N'aie pas peur de me le dire. De toute façon, je crois que j'ai deviné. Tu crois que je l'ai fait venir pour me venger de toi? Je crois que tu es impulsive et que tu étais blessée. Il est mort. Ne me parle plus de cette affaire, je t'en supplie. Tu ne peux pas te conduire ainsi. Pas à la cour. Tu ne vois donc pas les enjeux? Parce qu'on est fiancés. Mais tu n'as pas l'intention de me prendre pour épouse. Je devrais peut-être les prévenir et ce serait fini. Non, tu ne feras pas ça parce que c'est faux. Je vais peut-être t'épouser. On ne sait jamais, peut-être bien, un jour. Tu as dit que tu devais penser à ton pays. Est-ce que tu as pensé à l'Écosse en faisant ça? Je pensais à moi, à ma vie, à mes amis, à ma sécurité. Tu aurais pu te compromettre et je n'aurais pas pu t'épouser, en admettant que tout aille dans le sens où nous le voulons. Comment ça, dans le sens où nous le voulons? Dans quel sens voulons-nous que les choses aillent? Si tu n'étais pas le futur roi de France, et si j'étais une fille comme une autre et pas une reine, tu m'épouserais. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Don't hang your head. Love should make.